Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir nous nous retrouvons pour célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons notre péché au début de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir ton Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être unis au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous assois. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs aimés, je suis toujours demandé comment est-ce possible que Jésus dise dans cet évangile de Matthieu « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » quand on sait que par ailleurs ce qu'il porte et ce qu'il nous invite à porter à sa suite, c'est la croix. Comment Jésus peut-il dire que cette croix est facile à porter et que cette croix est un fardeau léger? Comment le ciel a pu former Catherine de Sienne dans la contemplation de la Passion? Et comment tant de saints et tant de saintes ont pu découvrir le Seigneur, la suite du Seigneur, avec cette croix comme point de mire? Et cette phrase du Christ, « Je suis doux et humble de cœur, venez vers moi, vous trouverez le repos, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Mais il me semble que si nous voulons réfléchir un peu plus avant sur ces paroles du Seigneur, il faut le mettre en perspective de cette révélation que Jésus fait aux tout-petits, contrairement à ce qu'il cache aux sages et aux savants. La modestie, l'humilité, la simplicité de l'Évangile de Jésus nous fait entrevoir comment nous pouvons marcher dans ce monde qui par ailleurs est si difficile, si dur, si antinomique du message de l'Évangile. Alors, il nous faut un point de repère, un but
Il faut savoir vers où l'on va. Qu'est-ce qui peut montrer un peu le nord de notre boussole? La croix du Christ. La croix du Christ, parce que c'est là que se joue l'amour de Jésus pour son Père. Il nous faut donc retenir non pas la croix, non pas l'instrument de torture, non pas les souffrances de Jésus, mais plus le don par amour du Fils du Père envers son Père. Et nous-mêmes, que faisons-nous de ce don par amour? Avons-nous la conscience claire que nous sommes invités, en portant aussi la croix de Jésus, nous sommes invités à découvrir ce que c'est que cet amour à laquelle nous sommes invités, cet amour qu'il nous faut donner toujours et donner sans cesse. Oui, alors, si nous retenons de l'expérience du mystère de la croix de Jésus, la force de cet amour reçu et donné, nous pourrons dire que le joug est facile à porter et que le fardeau est léger, puisque, bien sûr, nous donnons notre amour, mais en contrepartie de ce don, nous recevons tellement plus, nous recevons l'amour du Père pour nous. Voilà ce qui fait que tout devient plus facile, tout devient plus léger, tout devient plus formidable dans notre vie, comme dans la vie de tant de saints et de tant de saintes. Demandons donc aux uns et aux autres, et à nous-mêmes, de nous donner la force de témoigner de cet amour qui ne demande qu'à briller aux yeux des hommes, briller par l'humilité, briller par la simplicité, la légèreté de ce qui nous apparaît d'abord et en premier lieu comme un fardeau, mais ce qui ensuite devient un échange de dons, d'amour. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ses enseignements, nous pourrons alors te rendre grâce avec plus de ferveur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. Ils se donnent en effet au Christ à cause du royaume des cieux et par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût du ciel et des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Marguerite Marie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
encore le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme chaque soir, nous nous tournons vers Marie. Regina Celli.